Qui voudrait être ami avec moi? J'aurais espéré un peu plus de gratitude. Nous t'avons élevé depuis le berceau, nous t'avons nourri à notre propre table, nous t'avons même donné de lait, uniquement parce que nous avons bon cœur. Terme, aide-moi à pousser quand j'ai moteur éteint. Oh, ne faites pas attention, c'est de lait. Mais non, d'un chèche, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? J'étais en train... Tu as gâché la chute de ma blague sur le golfeur japonais. Et encore un bruit. Arrange cette porte! Non. Monsieur. Deux plombiers. T'oubliez, vous revenez ici. Suce un peu. Oh, Vas-y, démarre. Oh non, mon garçon, toi et ton maudit garçon, vous n'irez nulle part. Lâchez-moi. Fonce. Non. Au fait, Harry, t'es chaud. Mais c'est faux, voyons. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Très bien. Je veux dire, qui es-tu? Oh, excusez-moi, je suis Voldemort. Oh, va le chercher, Percy. Non. Vous avez été vu par pas moins de 7 moldus. Vous rendez-vous compte à quel point c'est pas grave? Qu'est-ce que je suis beau! Silence! Vous avez pris le risque de révéler l'existence de notre monde. On s'en fiche! Silence! Mes parents ont décidé d'aller en Roumanie pour voir mon frère Charlie. Silence! Je puis vous assurer que si vous étiez un serpentard et que votre sort était entre mes mains, je n'hésiterais pas à vous tuer. Ce n'est pas le cas. Oh merde. Professeur Dumbledore, professeur McGonagall. J'écrirai ce soir à vos familles et vous aurez tous les deux une retenue. Non. Présente, mon assistant, le professeur Rogue. Tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Sale bâtard. Oh, look at the class, look at the moves. Thank you. What? Qui est là, allez. Tant bien. Non. All around me are familiar faces, worn out. Au moins. L'aventure se termine ici, messieurs. Le monde saura tout de notre histoire. Comment vous avez tragiquement perdu l'esprit, tous les deux, à la vue de ma queue. Incroyable! On doit mesurer une vingtaine de mètres! Harry! Ron! Harry! Ron! Hira! Dumbledore! Harry? Ginny. Ginny, oh, je t'en supplie, sois morte! Elle ne se réveillera pas. J'ai rien dit. Il faut la sortir d'ici, il faut la sauver. Je ne peux pas faire ça. Vois-tu, plus la pauvre Ginny s'affaiblit, plus elle s'affaiblit. Un nom que tous les sorciers auraient un jour peur de prononcer lorsque je serais devenu un bébé. J'ai donc décidé de te montrer ma chatte. C'est horrible. Vous êtes conscient, naturellement, d'avoir choura au moins une douzaine de bibous. Oui, monsieur. Et qu'il y a suffisamment de preuves pour vous renvoyer.
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Cependant... Oui, monsieur. Ce malheur... Oui, monsieur. Cependant, il me paraît juste de vous renvoyer. Poignardement!